L'Arche, c'est nous. Ça tourne. Claire, elle m'a raconté deux fois d'hébergement. Et ma référente. Et en même temps, ma référente de foyer. Emeric, il vit dans mon foyer. C'est un jeune homme très dynamique qui travaille à la sous-traitance au quotidien. Quelles sont ses qualités? Oula, difficile. Je pense que pour tes qualités, Emeric, je pourrais dire que t'es quelqu'un vraiment très joyeux, qui est très créatif et qui a plein d'idées loufoques aussi des fois. T'amènes beaucoup de joie autour de toi et c'est super agréable au quotidien. Elle est bien à l'écoute des autres et c'est une excellente référente. Je suis content de te faire référer cette année. Et c'était quoi? T'es un petit peu bordélique. Tu t'éparpilles un peu partout. Elle a pas tort, elle a plus. As-tu eu une difficulté, parfois avec lui ou elle? Je sais pas. Tu peux dire que je t'énerve des fois, même. Ouais, oui, quelquefois. Parle trop fort ou je sais pas contrôler ma voix. Il y a des moments où on se déteste. Ouais. Déjà, quand j'ai quitté l'Aurore, tout a changé dans ma vie. Quitter mes parents, quitter Versailles, avec une ville que je ne connaissais pas, c'était vachement difficile. Je pense que je peux rebondir sur le fait que, au niveau des difficultés, c'est que c'était difficile pour toi d'arriver et de trouver tes repères. Et du coup, tu nous as souvent dit je vais rentrer. Et du coup, tu faisais ta valise. Et du coup, c'était vraiment des temps où on a pris le temps de discuter. Et dans ces difficultés, on a trouvé des forces. Et ce qui t'a permis de trouver ta place aujourd'hui et d'être bien au foyer. Mmh. As-tu un souvenir marquant partagé ensemble? Je dirais le moment McDo avec Stéphanie. Quand on est parti avec Stéphanie et toi au McDo, oui. Entre référés, ouais. Référents et référés. Okay. Ouais, c'était sympa. Quand on est parti à la mer et qu'on a observé des coquillages et que Emeric s'est vraiment moqué de moi parce que j'ai peur des coquillages et des étoiles de mer et des choses, des mollusques qui bougeaient tout seuls. Ouais, c'était pour rigoler que je faisais ça. L'autre a un seul mot. Une responsable en or. Pétillant. Hein. Coupé. L'Arche, c'est qui? L'Arche, c'est nous. T'aimes trop chanter dès le matin des chants militaires. Et ça, quand on fait le petit-déj et qu'on t'entend chanter depuis ta chambre, c'est vraiment drôle.